Eh bien, bonjour à tous. Encore une vidéo sur notre voyage qu'on a fait avec Sean dans les parcs nationaux de l'Ouest américain, Arizona et Utah. Et celui-là, eh bien, se trouvait ce parc, c'est Bryce Canyon, et qui se trouve dans l'Utah. Et donc, vous allez pouvoir voir des images vraiment fantastiques. En fait, c'est des sculptures naturelles de roches. En fait, qui ont été sculptés aussi bien les érosions, les intempéries qu'il y a eu durant les quelques millions d'années qui viennent de passer, et aussi par le fait que les océans sont arrivés et se sont retirés 3 ou 4 fois sur cette région, et ce qui donne avec le sel qui s'est déposé. Ce qui donne cet aspect de ces roches, en fait, qui sont rouges. Alors le rouge, ça vient du fait qu'ils sont gorgés de fer et de sel. Et voilà, donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et je vous dis, moi, à plus tard. Bien, ben voilà, on a encore une vue, sublime vue là. Et en fait, ici c'est un point d'observation et on va aller jusqu'en haut. Et voilà, Sean qui arrive en bas. Je suis un peu essoufflé là parce que on vient de monter et on a une autre vue, une autre perspective du Bryce Canyon, qui est sympa. Voilà. Alors le changement de couleur, en fait, c'est les sédimentations que ça a laissé quand ça s'est écroulé, en fait. Parce que tout à l'heure on a assisté à un commentaire par un Rangers, et il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. C'est complètement normal, franchement. Hé, ça c'est pas gentil, ça. Voilà, quand je dormais. Donc en fait, oui, c'est les sédimentations avec les années, les millions d'années. Et en fait, c'est comme un livre, en fait. Si on voit les couches susceptibles, eh bien c'est d'années, pas d'année en année, de dizaines, de centaines d'années, par centaines d'années, voire milliers d'années. Voilà, c'est magnifique. Thank you.
bien, ben voilà, comme vous pouvez voir derrière moi, on est encore sur un autre point de vue. C'est vraiment, vraiment magnifique. On s'en lasse pas, en fait. Là, on arrive. Là, c'est le deux ou troisième point de vue là qu'on est en train de faire. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. Et en haut, en fait, c'est plus blanc, hein. Tu vois. Puis là, ces formations, c'est vraiment incroyable. Alors Sean, qu'est-ce que tu penses? Ouais, bon, ça va. Oui, bon, ça va. N'importe quoi. Non, je rigole, non, c'est magnifique. Ben oui, oui, oui. C'est oui. Plus bon, on voit les photos, mais c'est rien à comparer que tu vois en direct, quoi. Oui, exactement, oui. Et bien alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? On repart? On repart pour reprendre la voiture. Oui, et puis pour faire un autre... Parce qu'il faut... je crois que c'est... Ça va nous amener de l'autre côté du canyon, je pense. Oui, exact. Ouais. Voilà, ça doit nous emmener de l'autre côté, là-bas. Là, on a une espèce de canyon. Je pense. Oui. Voilà, bon, on va essayer de ne pas se perdre quand même. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis surtout cette visite à Bryce Canyon qui se trouve dans l'Utah. Alors comme vous avez pu voir, j'ai fait beaucoup de vidéos, je crois que cette vidéo va être un peu longue, mais enfin c'est sympa, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. Sean, tu peux venir pour dire au revoir à tout le monde? Au revoir. Voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo parce que demain, normalement, on se dirige sur Monument de Vallée, non? Non. Où est-ce qu'on se dirige? Capitol Reef. Capitol Reef. Donc, c'est un autre parc, j'allais dire d'attractions. Non, un autre parc national dans l'Utah. Donc, voilà. Et puis, je vous laisse apprécier, bien sûr, encore cette vue qui est vraiment magnifique derrière moi. Ça donne le vertige. Pas le vertige, ça donne une aspect beaucoup plus broad. Ouais, grandiose. Oui, grandiose que tout à l'heure. Ouais. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bye.
Alors, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié ces images, qu'elles vous donnent des idées pour un voyage futur. Les Bryce Canyon n'est vraiment pas à louper. Voilà. En tout cas, si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, eh bien, tout comme toujours, vous mettez un pouce comme ça. Vous pouvez vous inscrire aussi sur cette chaîne YouTube parce que d'autres vidéos vont arriver. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Voilà.